Oui, alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo requête, requête, requête. Oui, je sais, ça fait tellement longtemps. Donc, c'est une requête de je ne sais pas qui parce que j'ai absolument pas regardé ton pseudo, je m'excuse. Mais je vais sûrement le mettre ici. Voilà, donc c'est toi. Donc, sa requête, c'était un maquillage pour les lunettes. Donc, j'ai fait deux maquillages comme, mais là, j'ai le dernier. C'est pour les presbytes ou hyperlotrope. C'est la même chose, c'est quand tu vois pas de proche. J'ai aussi fait un maquillage, les mi-up comme moi. Sauf que là, moi j'ai mis lentilles, donc c'est pas la même chose. C'est un maquillage complet là, tous les visages, les lèvres, les yeux. Donc ce sont là, les yeux très très longues. Si vous voulez savoir comment faire ce look, restez à l'écoute. Vous allez commencer par vraiment très très bien cacher vos cernes avec le concealer, puisque vos lunettes vont souvent créer des ombres en dessous de vos yeux. Donc, comment on fait ça? Vous mettez du concealer. Ensuite, on va plus privilégier la poudre plutôt que le fond de teint liquide, puisque le fond de teint liquide, il va finir par s'en aller à cause que vos lunettes vont frotter dessus, ça va donner des gras et tout. Donc, on va vraiment privilégier la poudre. C'est sûr que vous y allez avec le concealer, mais pas trop proche du nez. Donc, on va mettre de la poudre partout dans le visage, vraiment... beaucoup, et on va vraiment beaucoup beaucoup insister sur le nez parce que c'est une zone très grasse qui est encore plus grasse avec vos lunettes. Donc ensuite, un autre truc qui est vraiment important, c'est de dessiner vos sourcils, parce que vos lunettes recadrent un peu votre visage, mais vos sourcils sont encore là pour la même chose. Donc vous devez vraiment bien les dessiner, pas trop, pas assez. Ensuite, vous pouvez aussi mettre du bronzer. Moi, j'utilise un Sculpting Disc de Sephora comme un bronzer pour sculpter mon visage pour que j'ai l'air d'être plus sculpté. On peut pas faire la même chose. Ce que nous allons faire, c'est un maquillage. Ah, c'est un peu bizarre parce que genre, je vais vous montrer les deux en même temps. J'aime pas trop, mais en tout cas. Ouais. Ça va être un maquillage un peu comme léger smoky, mais comme on voit beaucoup, comme en tout cas, vous allez voir. Donc on va commencer par mettre une base. Donc, je vais utiliser la Warm Palette. Et, je suis tellement contente de faire une vidéo, ok. On va mettre la couleur. Comme pour tes lunettes, c'est très dur de mettre les gens en valeur, mais on va essayer. Si vous voulez vraiment savoir c'est quoi la couleur, la couleur sur votre teinte d'œil, tapez cercle chromatique des couleurs sur Google Images. C'est comme un rond avec toutes les couleurs, tout ça. Puis là, vous trouvez la couleur qui est la plus proche de celle de vos yeux et vous regardez la couleur à l'opposé. Donc c'est celle-là qui va être plus belle. Donc c'est ça. Qu'est-ce qui avantage les yeux? C'est les contrastes. Alors moi, je vais mettre une couleur. Comme ceci. Donc, ce n'est pas hyper pâle, mais on s'entend que c'est vraiment pas foncé. Donc, j'aime pas trop le mélange orange et brun. Parce que je trouve que ça fait comme un peu comme automne, puis on est l'été. Donc, je vais utiliser plus comme un brun noir. Donc, comme ceci. Là, vous allez faire le truc comme ça. Mais ça va pas être comme... Là, ça paraît gros, là. Mais après, là, il y aura tellement de dessondage, mes amis, là. Vous allez rien comprendre. Bon, maintenant, c'est la partie vraiment trop... waouh, que tout le monde adore. Donc, c'est la partie estompage. Donc, je prends un pinceau propre. Et je commence à faire des ronds. Ou je peux faire aussi comme ça. Comme pare-brise. Les deux fonctionnent très bien, en fait, comme vous voulez. C'est ce que vous préférez, en fait. Ok, donc maintenant c'est comme hyper dramatique. Mais il faut pas oublier que, comme là, ça a l'air comme wow, trop pointé. Mais après, comme quand vous mettez vos lunettes, comme vos lunettes cachent une partie de votre maquillage. C'est sûr que les miennes sont quand même assez voyantes. Mais comme, regardez, déjà c'est comme moi, c'est comme ça paraît moins. Comme oui, on voit bien que je suis très maquillée, mais c'est ma paire. Donc ça qu'il faut jamais oublier. Quand vous portez des lunettes, il faut plus porter de maquillage. Donc maintenant on va prendre un highlighter pour prendre votre... Comment? Je tiens vraiment mon pinceau comme une merde, c'est quoi ça?
Donc, j'en rajoute sur la couleur que j'avais mise. Donc, vous voyez que... pas mal différent. Dare you to let me be me the one and only. La chanson est tellement bonne. C'est one and only de Haddad. Genre, trop trop cool. Alors là, ça allait passer comme ça sur vos yeux. Genre, faut enlever tous les excès qui pourraient facilement aller ailleurs. Vous comprenez ce que je veux dire? On se comprend. Maintenant, prenez mes sous-ongles et vous mettez du noir dessus. Le même noir qu'on a mis ici. Vous pouvez prendre aussi le liquide ou en gel. So, je trouve que c'est plus facile avec ça. Et ça fait plus naturel puisque c'est plus estompé et gna 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 gna. Puis, on va prendre un petit pinceau de précision si je le trouve. Ouais. Et on va prendre le brun clair avec le noir. Puis on va venir l'amener en bas. Pour créer une zone d'ombre. Et là, c'est à partir de ce moment-ci que le maquillage pour les myopes et les presbytes change. Donc, si vous êtes presbyte, faites ça là, mais vraiment comme estompez pas trop. Si vous êtes myope, vous pouvez bien estomper comme ceci. Si vous êtes myope, je vous dirais de mettre du blanc dans la muqueuse, donc je vais le faire. Je vais faire les deux, hein. Mais je commence par le blanc parce qu'après mettre du blanc sur du noir, c'est pas trop facile. Comme ceci. Ok, alors voilà qu'est-ce que ça donne avec le mascara pour les myopes. Alors, je vais approcher ceci. Alors, ça donne ceci. Après, si vous voulez un autre genre de maquillage pour agrandir les yeux, vous pouvez aller voir la vidéo qui va être dans le lien en bas. Trois trucs pour agrandir les yeux. Pour faire tout ça, en tout cas. Cette vidéo-là, j'aime beaucoup. Ensuite, maintenant, pour les yeux. Les gens... Donc maintenant, alors on va mettre du noir dans la muqueuse. Vous voyez que cet œil est beaucoup plus petit que l'autre. Il est beaucoup plus blindé, quoi. Donc ça, c'est les crayons nano de Sephora. Voilà, mais je n'ai pas de lunettes pour la presbytie à vous montrer. Mais bon, alors voici ce que ça donne. Bon, à la caméra, ça paraît pas beaucoup, mais c'est vraiment beau orange. Là, il y a un truc que j'avais oublié. C'est le coin interne blanc. Pour illuminer le regard. Parce que vos lunettes vont rendre votre regard très ennuyant sur vous. Donc, voilà. Alors, vous pouvez soit juste mettre du blanc comme ça avec un crayon. Moi, c'est le crayon nano de Sephora. Mais après, il va peut-être s'en aller au cours de la journée. Puisque c'est crémeux, donc tu sais. Donc, vous pouvez toujours ajouter une autre paupière par-dessus. Ah, voici ce que ça donne. Maintenant, il y a un dernier truc que je voudrais parler. Donc, c'est les lèvres. Parce que je veux juste dire que quand... Ça vous donne pas grand chose de mettre des ombres hyper chimiques comme sur vos yeux. Parce que de toute façon, on va pas les voir, les brillants. Puis les joues. Mais comme les lunettes cachent un peu les joues, ben ça dépend comment elles sont grosses vos lunettes. Mais comme c'est trop près. Ce qui est plus mis en valeur avec les lunettes, la bouche. Quand je regarde là sur le miroir, okay, je sais pas si vous avez compris, c'est comme à 47 ans de vidéo. Vous devriez avoir l'idée, mais voilà, je vais me rendre compte que ça. Donc. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre un blue gloss. Donc moi, je vais mettre mon Chanel, qui m'en reste comme vraiment pas beaucoup. Genre, pour ainsi dire, plus. Mais que j'adore. Donc ça, c'est comme la chose que vous devriez faire
lorsque vous portez des lunettes, c'est mettre vos lèvres en valeur. Alors voilà les filles, alors c'est tout pour ma vidéo. Je sais que je suis un peu énervée, un peu bougée autant les mains. Je me suis fait remarquer. Tu sais que je parle de toi. Ouais. Ouais. Donc, comme. Je sais que je suis énervée et tout là, mais comme. Je sais que vous m'aimez quand même. Donc, je vous dis bye, à la prochaine. I will go down with this shit. And I won't put my hands up and surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always